cette cape, les cuivres, c'est vraiment vous qui donnez l'harmonie. Pour l'instant, l'harmonie reste un peu vague parce qu'on vous entend pas assez. Là, je suis tout de suite d'accord. Je m'appelle Jules Maton, j'ai 32 ans. Je suis compositeur d'opéra, d'orchestre. Je suis là aujourd'hui pour enregistrer mon ode pour soprano et orchestre avec l'orchestre de Picardie et Harry Van Beek et Marlène Assayag. L'orchestre Picardie a tous les deux ans un compositeur en résidence. On a eu plusieurs. Pour moi, c'était évident d'inviter Jules pour être compositeur en résidence chez nous. Il crée quelque chose à la base de la musique ancienne. Oui, c'est une pièce sur laquelle j'ai passé 4 mois pleins. Du temps où les cafés étaient ouverts entre deux confinements, j'y ai orchestré la pièce. C'est difficile de parler de sa musique, mais c'est une pièce avec des couleurs différentes et avec un matériau que j'ai essayé de construire un peu à l'image de l'humilité du texte de Paul Claudel. Sensible, profonde, néanmoins extrêmement bien structurée, qui pour moi, spontanément, peuvent décrire ses qualités. Et les compositeurs nous posent parfois des difficultés particulières. Et le compositeur qui est présent pendant les répétitions, il est assez souple, il cherche la plus grande expressivité et il est ouvert à nos suggestions, à la manière de faire telle ou telle chose. Faire connaissance et connaître, apprendre l'œuvre. Ça, c'est le but. Et au moment que les musiciens ont compris ça, ça va très vite. Après, il y a des détails qui ne sont pas différents qu'une pièce du répertoire. Justesse, l'ensemble, homogénéité et tout ça. Moi, je suis dans une pensée aussi dans l'orchestre. Mais à l'autre côté, c'est délicat. Parce que j'ai tous son bébé. C'est à lui, ça. C'est toujours terrible pour un compositeur de voir quelqu'un d'autre s'emparer de son bébé, ce quelqu'un d'autre étant Harry, et via Harry, l'orchestre. J'ai des raisons d'être confiant, c'est-à-dire que ça joue vraiment bien, et puis je les sens en plus, les musiciens, extrêmement engagés. Ils ont travaillé individuellement, ils veulent comprendre ce qui se passe dans la pièce. Harry, il aime la pièce, et ce qui est extrêmement agréable pour moi, parce que du coup, il veut qu'elle sonne, et il fait tout pour, et il mène l'orchestre d'une main d'orfèvre.